Jean-Max Rakoutmamoun, un appel à l'apaisement. En cette veille de la fête de l'indépendance, Jean-Max Rakoutmamoun a renouvelé son appel à l'apaisement lors de son déplacement à Mbande. Madagascar se trouve actuellement dans une situation fragile et notre pays a besoin plus que jamais d'un apaisement. Ce qui importe, c'est de créer la solidarité, la fraternité et la paix. Une délégation de l'Assemblée nationale, conduite par son président Jean-Max Rakoutmamoun et par son vice-président Elsom Brisson Eraf, a rehaussé de leur présence la cérémonie d'ouverture du rassemblement annuel de la communauté musulmane sunnite de Madagascar à Mbande. Lors de son discours, le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de cette réunion. Cette réunion me paraît utile dans la mesure où elle permet de rappeler certaines valeurs dans la solidarité, l'entraide et la paix. En ce moment où le pays traverse une période difficile, je pense que la consolidation des valeurs d'entente et de paix sont nécessaires. Cette semaine tombe une semaine après l'Eid el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré de Ramadan, l'une des dates les plus solennelles du calendrier musulman. Le président de l'Assemblée nationale a fait part de ses salutations chaleureuses aux musulmans de Madagascar qui vient de terminer ce mois de jeûne et de prière.